Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Que certains sont en vacances, pas nous. Monsieur Mapou. Je fais désirer le mec à chaque fois. Non, je laisse faire ta petite présentation à chaque fois. Quoi. On va danser. Il y a Yéna qui veut danser maintenant. Donc, bienvenue sur ce nouveau live, Monsieur Mapou, qu'allons-nous préparer aujourd'hui? Une petite pavlova à abricot. Mais non! Eh ben si! Mais non! Parce que c'est pas la saison des abricots, mais que j'aime bien ça quand même. D'accord, super. Salut à tous. Du coup, pour ceux qui arrivent, donc, Monsieur Mapou a décidé que nous allions faire une pavlova à abricot parce qu'il aime bien ça. Voilà. C'est une raison assez valable. Voilà, alors dis-moi. Bon, on va commencer par la mort. Incroyable! Voilà, on a une raison de besoin de blanc d'œuf. Un peu de sucre. Du sucre. Du citron. Et maïzena. Du jus de citron et de la maïzena. Monsieur Mapou. Je me casse. Monsieur Mapou se casse pour monter les blancs. Hello. Tous les ingrédients du coup. Alors je dis bonjour. Je suis désolée, je regarde deux écrans différents. C'est pas le plus pratique. Je vais essayer de faire autrement pour que vous soyez à peu près tous à côté. Je suis pas sûre. Bon, voilà. Donc, en attendant qu'Anthony monte ses œufs. Lina va vous faire une petite chorégraphie parce que c'est donc bientôt la fin du stage de Lina. Donc pour fêter ça, si vous voulez que Lina reste, envoyez-nous des messages. On la forcera, je pense qu'on risque de la kidnapper. Du coup, donc voilà, Anthony est en train de monter les blancs pour la table bas. En attendant, Monsieur Mapou, ne présenterions pas la box du mois de juillet? Allez, du coup, je ne sais pas si vous avez vu la box du mois. Monsieur Mapou va nous la porter. Voilà, box du mois. Merci. Mais non, pas félicitations, elle part, mais il ne faut pas qu'elle parte. On te dit félicitations. Alors, ça y est, elle arrive à partir. Donc, la box du mois de juillet. Alors, avant de vous montrer tous les ingrédients, puisque ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là? Non. Ah. Celle-là, c'est la box du mois de juin. Je reviens tout de suite. On arrive. Bon, du coup, en attendant, je vous explique. Sympa le défi de la box. Oui, il a des bonnes idées, monsieur Mapou. Donc, la box du mois de juillet, c'est un entremets dragée pêche. Le retour de la box. C'est celle-là? Oui, c'est celle-là. La box de juillet. Alors, je vous montre tout ce qu'il y a dedans en attendant qu'Anthony finisse de monter ses œufs. Ta-da-da-dum. Du coup, c'est un abricot, donc pêche dragée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Anaïs en comédienne, c'est top. Ouais, je vais me reconvertir encore une fois. Du coup, on se remet pêche dragée, donc vous avez tout ce qu'il faut, des dragées, un petit emporte-pièce de bouillet aussi pour faire votre entremets. Si là, tout va bien. C'est donc un biscuit diamant que vous avez en dessous, une compotée d'abricot, une chantilly dragée et des pêches finement coupées. Voilà, Anthony, je ne sais plus quoi dire, c'est ton moment. Non, Anthony n'a pas fini de... Montez ses œufs. Donc, si vous avez des questions sur la box, sur les ateliers, sur toute autre chose, c'est votre moment. Hop, je range ça. Donc, la box est disponible à la boutique pour ceux qui sont parisiens, route en ligne jusqu'au 15 juillet. Monsieur Mapou monte toujours les blancs. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, dans 30 secondes, on est prêt. Pour ceux qui nous rejoignent, on est en train de faire donc, une pavlova. Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête. On est en train de faire une pavlova abricot parce que Anthony aime bien la pavlova abricot. Voilà, il a aussi pensé à vous. Non. Ok, donc, voilà, là, là, voilà. Super, voilà. C'est bon? C'est bon, non, c'est bon. Oui, il y a des ateliers des bio qui sont en ligne, il y a des ateliers tout le temps, nous ne le faisons pas. Nous ne dormons pas. Je suis enfermé ici. Nous ne prenons pas de vacances. Non, c'est faux, en vrai, je prends des vacances, mais pas lui. Toujours pareil. Toujours pareil, comédie. Donc, une fois que nous avons cette belle meringue,
Monsieur Beaucoup, quel accent allez-vous prendre aujourd'hui? Ben, je vais parler normalement. En mode parisien, peut-être. Bien sûr. Alors. C'est pas pour que je dis ça. Je vais mettre ma meringue dans. Désolé pour les parisiens. Oui, c'est clair. Sauf si vous êtes prétentieux, quel cas vous pensez que vous je ne peux plus. Je remplis ma poche. Mais qu'arrive-t-il à Anthony, me demande-t-il à Nice. Bah, il part normalement, c'est très, très étrange. D'habitude, il nous prend un accent à chaque live. Il y a un H. Oui, c'est Elisabeth. Hello, Elisabeth. Si ça intéresse encore quelqu'un, je vais pocher. Non, ça n'intéresse personne. Mais pas besoin. Donc là, vous ne voyez pas très très bien, mais il est en train de pocher un escargot. Ça peut vous aider? Je ne suis pas sûr que ça aide. On va vous montrer. Voilà. Étape numéro 1. Étape numéro 1. Quelle est l'étape numéro 2, très cher? Eh ben, je vais alors, juste... attends, je baisse juste un peu ça. Voilà, comme ça, les gens te suivront un peu mieux. Je vais juste faire du côté. Je ne vais pas retourner à l'intérieur. Je vais juste faire deux bandes comme ça. Pas plus fort, je pense que les gens ne t'entendent pas parce que Lina nous a mis les Bee Gees en boucle. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous avons les Bee Gees en boucle depuis le début du live. Lina a décidé et elle est en train de danser derrière. Elle a décidé qu'elle aurait staying live toute la matinée. Là, tu aurais pu tourner les... La caméra est trop basse. Oui, mais c'est parce que sinon, vous ne voyez pas le pochage. On la remontera juste après. Ah, j'en sais pas, c'est ma sinon, vous n'allez pas voir le comment pocher sur la Pavlova. Hello, donc pour ceux qui nous rejoignent, Pavlova Abricot pour le plus grand plaisir de Monsieur Moku. Est-ce que tu veux une corne? Non, ça devrait le faire. J'ai confiance en moi. Il a confiance en nous. Hop. C'est pas la plus belle poche qu'il a faite. C'est pas la plus belle poche qu'il a faite. Hop. Je te gêne peut-être. Non, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude de travailler dans des conditions compliquées. On t'attend, Gabi, on t'attend. Qu'est-ce que tu as dit? On a une bonne ambiance avec cette chanson. On a une bonne ambiance avec cette chanson, seulement avec la chanson. Ouais, d'habitude, c'est une ambiance de merde. Quoi. Super, merci. Non, Lina. Je veux dire, j'ai fait ça. Francisco, dans les années 70. C'est pas encore San Francisco. Il m'en reste un petit peu. Je vais juste me faire des petites décorations avec une toute petite dose. Donc là, la meringue est bientôt prête. Elle va bientôt passer donc, au four. Et Monsieur Moku se fait des petits kiffs de petites meringues. C'est pas pour le décor. Voilà. Juste attends, j'ai pas fini. D'accord, il ne l'a pas fini. Il faut qu'on lisse. Ah, ah oui, il nous fait un truc très très calme, monsieur Moku. On est jeudi. Il faut que jeudi, que ce soit bien, c'est ça. Ouais. Si le reste de la semaine, si vous venez faire un atelier du lundi au mercredi ou le vendredi ou samedi. Ce sera nul, hein. Au moins vous êtes au courant. Au moins vous êtes au courant. Les ateliers, c'est jeudi, c'est bien. C'est le jeudi où il est en forme, monsieur Moku. C'est ça. Hop. J'ai juste un peu histoire. C'est beau ce que vous faites, monsieur Moku. C'est fait avec tellement d'amour. Ouais. Hop. Un petit peu pareil au centre. C'est ça bien, hein? Tellement de concentration. Je sais pas d'où ça sort. Je concentre pas trop, on n'a pas de mon croisant aujourd'hui. Ça, c'est bon. Trop fort. J'ai mon petit volcan. Je sais pas si on voit vraiment bien sur Facebook. C'est un petit peu. Du coup, donc là, la meringue va passer au four un certain temps. C'est assez long, donc ça va, la meringue. 110 degrés pendant 2 heures. Ouais, c'est un petit peu long, donc si vous pouvez la faire en amont, c'est pas mal. Ensuite, une planche à découper. Un couteau. 2 abricots. Et du basilic? Oui. Du basilic. Il me fait des lunettes. Bah, si tu l'as reçu, tu l'as renifle, ça me dit ça. Ouais, j'ai arrêté, c'est pour ça. C'est dans quel état elle était? C'est pas possible. Alors. Je suis en très bon état, je me dis que je peux que tu fasses. Un abricot, nous le coupons en deux. Jusque-là. Magnifique. Magnifique. Je vais voir ma jacque, ma je coupe mes demi-abricots en 4 que je pose délicatement sur ma petite planchette. Toujours sur l'air de Staying Alive, mis avec amour par Lina, en boucle. Elle a le pouce appuyé sur replay. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà. Et on est parti, Staying Alive. C'est un message pour moi, Lina, genre reste en vie. C'est ça. Merci. J'ai une stagiaire très, très dévouée pour notre santé. Attention, je vais arriver de filmer, tu ne vas pas comprendre. Hop.
Hop, donc pareil pour le deuxième. Pas de raison. Je peux pas t'en piquer un morceau. Non. 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 On va essayer. Je ne pas t'inquiéter. Il n'y a pas de raison, c'est pas grave. Alors, ensuite. Ensuite, tiens, si tu veux, tu peux hacher le menu la petite basilic. Je vais hacher le menu la petite basilic. Et là, je vais verser un peu ma cassonade. Enfin, je vais juste saupoudrer mes abricoles de la cassonade. Menu comme ça, ça te va très cher ? Oui. Hop. Voilà, il y a de la cassonade partout, sauf sur les abricots. Ok, le basilic, veux-tu que je te le saupoudre sur les abricots, très cher ? Nous saupoudrons donc du basilic sur les abricots. Partout, sauf sur les abricots, une fois de plus. Exactement. Parce que tant qu'il y a peur, parce que ça ne sert à rien d'en mettre sur les abricots, ça se fait. Ça me colle les doigts. Allez. Je vais finir par détester cette musique à la fin de la journée. Et du coup, ça passe au four 180 degrés pendant 20 minutes. 180 degrés, du coup, pendant 20 minutes pour les abricots rôtis. Ensuite, monsieur Mopou. Eh bien, ensuite, on va pouvoir attaquer le minipot. Et voilà, puisque notre pavlova vient de cuire 2 heures au four. C'est incroyable. Ta-da-dam, ta-dam. Petit vaisseau. Admirable. Donc, vous avez votre pavlova qui est faite, qui est belle. Vous avez miraculeusement les abricots sortis du four ça également. Passe vite, 20 minutes. Ça passe vite 20 minutes, chez le chef en mode, c'est dingue. Et nous avons miraculeusement de la crème fouettée. De la petite chantilly. C'est une chantilly, très chère, que la crème fouettée. Une chantilly. Nous avons donc rajouté du sucre. Un tout petit peu, j'en ai enlevé par rapport à une recette normale. Hello! Et j'ai fait une baby meringue aussi. Et une baby, oui, parce que nous, on a remangé avec la baby pour faire des photos après. Exactement. Voilà, c'est pour vous. Ok, et eh bien, si tu veux, tu vas pouvoir disposer ces petits abricots au fond de celle-là et de celle-là. Jusque-là, c'est dans mes cordes. Je sais, c'est pour ça que je t'ai donné cette position d'habitude. Trop aimable, très cher. Je les mets tous? Bon, tu mets ce que tu peux déjà. Faut que tu fasses la petite aussi. Moi, je vais remplir mes abricots au fond de la pavlova pendant que monsieur Mopou est en train de mettre sa chantilly en poche. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, on fait une petite pavlova abricot parce que monsieur Mopou avait envie de manger une pavlova, je précise. C'est juste pour ça. Du sucre, du sucre, du sucre, du sucre, voilà. Du sucre, du sucre, du sucre. Sur ces bonnes paroles. C'est bon ? D'accord. Ok. C'est très bon. Et bien, ensuite, je vais recouvrir. Oh. Oserais-je arrêter une sixième fois? Est-ce qu'on va arriver à 6 fois de staying alive? Si vous pensez, tapez 1. Si vous priez Lina d'arrêter, tapez 2. Hop. J'ai votre box tous les mois et je trouve que c'est super. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Nous aussi, on trouve que c'est super, Lina. Oui, on a une bonne stagiaire. On a une bonne stagiaire. J'ai pas rien. Non, mais c'est très gentil. Merci pour vos retours. La box du mois prochain, elle est super sympa aussi. On a hâte. La box du mois prochain ? Oui. Quand tu seras plus là, vous quand tu ne seras plus là et que tu ne mangeras plus. Parce que Lina nous abandonne. Je tiens à préciser. On se fait lâchement abandonner par notre stagiaire. Tout ça pour prendre des vacances. Vous avez vu ? Comme si elle méritait des vacances. Comme si elle méritait des vacances. Bien sûr qu'elle méritait des vacances. Ça va, déjà elle paye une taxe pour aller à l'école maintenant. Ah, c'est trop tôt. Notre stagiaire vient d'apprendre que maintenant, pour aller à l'école, elle devait payer une taxe de 91 euros. Elle est très contente. Tapez 2, Lina, tu dois arrêter cette musique, nous demande-t-on. C'est pas moi, Lina, c'est les abonnés. Ah, elle a arrêté, elle vous écoute, mais qu'est-ce qu'elle est incroyable, cette jeune fille. Je vais changer. Elle va vous en mettre une note des bêtises. Ah non, on part sur du Johnny. Ah, on passe sur du Johnny. Je suis pas sûre que le fait d'arrêter est une bonne idée, en fait. C'est joli ce que vous faites, monsieur Mopou, dis donc. Non, bah, je sais pas, tout le monde a oublié, on est sur Lina et sa musique. Excuse-moi d'être la star. Vivement qu'elle se casse. C'est un dernier live, je vais profiter. C'est mon quoi ? C'est mon dernier live ? Un des derniers. Ouais. Bah, c'est la semaine prochaine, ton dernier live. Eh bah, voilà, on s'arrête là. J'adorerais être stagiaire avec un pâtissier. Bah, on cherche un stagiaire business développeur en ce moment. D'ailleurs, je passe un petit appel. Vous êtes business développeur et cherchez un stage. Nous sommes là. Vous mangerez des gâteaux toute la journée. N'est-ce pas, Lina ? Oui. Quel enfer. Quel enfer.
Eh ben voilà. Ta-ba-ba-bam. Voilà une belle petite pavlova comme ça, toute peignée. J'ai faim. Et bonita. Eh ben tu peux manger la petite. Oui, j'ai pas vraiment mangé la petite. Tu peux manger la petite. Ina, il est l'heure de manger. J'arrive. Monsieur Moncou, tu goûtes ? Allons-y. Allons-y, peu cher. Mmh. On ne coupe pas avec un couteau ? Ou on n'a pas le temps pour les formalités ? Ok. Elle prend ses décisions toute seule, Lina. Elle coupe ! Ah, la vache. Je ne sais pas, c'est si beau, tu vois. Il vient de détruire son œuvre d'art. Bah, c'est 20 minutes. Je voulais un bout d'abricot, en fait. Mais... Bah, tu peux. C'est merde aussi. Ouais. Ah, mec, c'est... Eh ouais, on fait les choses bien. Tu vois. Donne ma meringue. C'est toi qui me chauffe mon goût. J'arrive toujours pas à goûter. Handicapé, quoi. Mais moi, je trouve que c'est trop bon. C'est évidemment, comme d'habitude, Monsieur Moku, très bon. Thanks. Voilà, donc on vous met la recette. J'attends que Finalina finisse de déguster, donc je n'en sais rien, mais il ne te voit pas. Mmh. Voilà, va par là. Mmh. Mmh. Du coup, Manap, merci beaucoup. C'est en face. C'est notre barman d'en face qui nous dit bonne année. Qui nous rejoint. Mais t'es où d'ailleurs ? Ouais, viens manger. Bref, du coup, la recette sera tout à l'heure sur le blog. Là, on a un cours après, mais juste après, vers 17h, on vous met ça en ligne sur le blog. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle recette gourmande que Anthony aura envie de tester juste parce qu'il a très faim. Exactement. Je ne sais pas quoi ce sera. À bientôt. À bientôt. Ciao. Bonne semaine à vous. Je me casse.